Bonjour à tous et à toutes, c'est l'Equidoslot 666 pour une nouvelle série de vidéos, ou pas, voilà, j'explique, vous comprenez dans le titre. Comme on peut le voir ici à l'écran, j'en suis à 99 matchs compétitifs remportés sur Counter-Strike Go, et je me suis dit qu'un jour ou l'autre, ça serait super sympa de faire une vidéo en live sur Counter-Strike Go, et j'attendais pour ça de passer Nova Or. Donc Nova d'Or, pour ceux qui connaissent pas... Donc comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur Counter-Strike Go, il y a 18 ranks, et Nova d'Or, c'est le 10e rank, en fait. Non, le 11e, pardon, rank. Donc en gros, il y a 6 ranks plus mauvais en dessous de moi, et 10 ranks très largement supérieurs au-dessus de moi. Voilà, je viens de passer Nova d'Or, je n'ai fait aucune partie depuis. Donc en gros, j'ai été Nova d'Or pour ma 99e victoire. Voilà, les maps dans lesquelles j'ai envie de jouer sont Marquis, Train, Workout, Mirage, Nuke, Overpass et Inferno. Donc Mirage, Nuke, Overpass et Inferno, ce sont mes 4 maps préférées. J'aime beaucoup Dust 2, mais on joue beaucoup, beaucoup trop souvent sur cette map pour que ça m'intéresse de faire ça en vidéo. Puis ma dernière vidéo était sur Dust 2, donc on verra bien. Workout, Train et Marquis sont des maps dans lesquelles je n'ai encore aucune défaite. Et même si elles tombent rarement, voilà, c'est des maps que je mets quand même, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Donc là, un match devrait arriver assez vite, donc il y aura autant d'épisodes que de matchs avant ma victoire, donc c'est possible qu'il n'y ait qu'un seul épisode, comme c'est possible qu'il y en ait 22, mais dans ce cas-là, je serai certainement plus Nova d'Or à la fin de ces 22 matchs. Inferno, parfait, j'espère commencer en terreau, car c'est une map CT, et que psychologiquement, il vaut mieux réussir sa partie terreau que sa première partie CT, puisqu'il est normal de réussir sa moitié CT. Voilà. Parce que c'est une map à fort avantage CT, ou du moins à avantage CT plutôt... Ah voilà, bah, je suis CT, donc tant pis. Donc là, c'est l'échauffement. On va s'amuser avec mon Mag 7 qui a 36 kills, tous faits à l'échauffement. Bon, 36 kills, c'est pas énorme. Hein. Quand on compare ce Mag 7, j'ai dû l'avoir, je dirais comme ça au premier abord, quelques semaines avant mon M4. Et mon M4 à lui, combien de kills il a, mon M4? Je crois qu'il a déjà 130 kills. Et j'ai eu mon Mag 7 beaucoup, beaucoup plus tôt. Hein. Alors moi, je ne double zoom jamais avec cette arme. Donc là, on est en train de se faire spawn kill. Je vais peut-être replier. De toute façon, on s'en fout. Hein. Là, c'est l'échauffement. Tout ce qui se passe à l'échauffement reste à l'échauffement. Oh! Oh! En tout cas, il est très beau cet AWP ligne rouge, arme que j'aime beaucoup. On peut regarder les armes comme ça en appuyant sur F. Ah, j'aime regarder les armes quand c'est des armes que je n'ai pas. Savoir que mon AWP et mon AWAP, comme ils disent, est... Oh, je l'ai pas eu là. Et pour le moment, toujours d'origine. J'en ai pas ni droppé un, personne m'en a donné. Lui, c'est mal... Ah, voilà. Donc c'est une arme que, de toute façon, que j'utilise pas beaucoup, hein, la WAP, enfin les snipers en général, hein, comme on peut le voir avec cette ce stat track, ce scout stat track qui n'a que 6 kills. Même mon 5-7 qui est bon, mon pistolet de prédilection, hein, que j'ai eu il y a pas longtemps, j'ai dû faire à peine 10 matchs, déjà 24 kills avec un pistolet, c'est plutôt pas mal. Quand on compare, pareil, encore une fois, à mon USP que j'ai depuis un bon bout de temps maintenant et qui a seulement 74 kills. Donc le chat, hein, toujours, que je vais toujours autant utiliser. 63 de ping, c'est plutôt pas mal. C'est à peu près dans ces eaux-là que je joue habituellement. Alors par contre, si on pouvait être 3 en A, ça serait mieux. Donc oui, hein. Counter-Strike, un bon jeu de la camp qui sent bon. Ok, c'est A. C'est B, je veux dire.
Oh. Oh. Heureusement, le mec, je lui ai tiré dessus tellement de fois. Je sais pas si ça va apparaître à l'enregistrement. Il y en a un que j'ai fait 94% et l'autre 196. Donc Monster Track Basilic qui a 143 kills, qui m'a été offert par Cross Albeo, que je remercie grandement. Je crois qu'il est mort, celui sur qui je tirais. C'est moi qui l'ai eu. J'écoute pas trop ce qu'ils disent parce que bon, généralement. Il y en a un qui dit qu'il y a un hack. Je sais pas. C'est un peu chiant sur. Sur CS, c'est que ça gueule toujours au hack et c'est, moi je trouve très rare pour le moment, pour moi, de tomber sur des hacks. Je crois que ça m'est quasiment jamais arrivé. Ce que je viens de faire était très stupide, c'est très étrange que je sois encore en vie d'ailleurs. Je vais fuir parce que là, dans une balle de quoi que ce soit, à part avoir beaucoup de chance, je vais mourir. Je sais pas ce qu'ils font. Je sais même pas si j'ai blessé des joueurs encore. Ça arrive. Je vais mettre dans le coin. Oh merde. J'ai quand même pris deux balles. Hein. Là, j'ai fait n'importe quoi, mais du coup, je pensais qu'il était tout seul en fait. Là, par contre, il a très mal joué. Bon, ça, c'est un kill gratuit. Ah, bah voilà, il y en a au moins un que j'avais blessé dans le tas. Mon magnifique stat track basilic. Alors ça, bon, c'est pour ça que j'utilise quasiment pas de grenades, hein, vous allez le voir. J'en utiliserai seulement celles que je ramasserai, déjà pour une question d'économie. Car ça coûte trop cher. Vraiment, les grenades, ça coûte très cher. Et aussi pour une question de je sais jamais quand les utiliser. Ah, j'ai failli avoir le double... non, attendez. Dans 8 kills, si je fais pas de kills à l'USP, j'ai le double de kills au basilic par rapport à l'USP. Bon, c'est une arme que j'utiliserai rarement, l'USP, hein. C'est vraiment mon arme de secours. Ok, je vais me mettre là. Qu'est-ce qu'il fait le bleu là? Je vais aller là parce que sinon. Oh la mauvaise smoke, sérieux! Alors moi les smokes. Ok, lui il a peu de chance. Les smokes, c'est vraiment les grenades que je déteste le plus parce que j'arrive jamais à savoir quand est-ce qu'elles aident les alliés, quand est-ce qu'elles aident... Ouais, forcément. Ok. Trop mal lancé, ça, flash. Ah bon, là j'ai eu un kill très chanceux, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait?
Il y en a un que j'ai quand même fait 131 en une seule balle, donc il devait pas avoir de casque. Parce que le M4 ne one-shot pas dans la tête. Donc lui il va save, hein. C'est-à-dire qu'il va se planquer pour garder son arme. Mais il a quand même envie d'en emporter quelques-uns avec lui, donc... Non, il va vraiment save totalement. Ah, il y en a un qui est mort pardon, dans l'explosion, c'est toujours bon signe ça. Moi je vais faire une petite écho. Je suis pas très riche, donc j'achète seulement... Je n'ai qui me gratte, désolé. J'achète seulement mon 5-7. Qui est une arme avec laquelle il m'est arrivé de faire des miracles et il m'est aussi arrivé de faire n'importe quoi. C'est une arme assez particulière. En fait, sa particularité, c'est pour moi son énorme avantage. Ok, ça vient là. C'est ses 20 balles dans le chargeur. Qui permet donc de tirer beaucoup de fois avant de recharger. Mais vraiment beaucoup hein, pour un jeu comme Counter-Strike. Comme vous pouvez de le voir. Et... Putain mec, je fais le kill, il me vole la K. Donc ouais. Les 20 balles dans le chargeur. Et le fait que... les armures... ne sont pas très résistantes à cette arme en fait. J'en ai eu un. J'ai bien blessé l'autre, je pense. Ha! Ah non, je l'ai touché que deux fois. Il y a ça à prendre en compte et sa grande précision aussi. Ce qui permet de loin de faire des belles actions et si vous visez la tête, c'est énormément redoutable. Ah, comme vous voyez, lui aussi a acheté un 5-7. Ah, Zayak est mort. Je vais voir à qui d'autre j'ai donné des dégâts. Hey! Zayak, je lui ai fait 96, hein. J'ai failli le tuer celui qui... Ah bah oui, je viens d'avoir le... En fait, en gros, celui qui était baissé au fond du couloir, la zone là, je l'ai vraiment gravement blessé parce que je lui ai fait 94 de dégâts et c'était pas lui en fait dans l'appartement. C'était un autre à qui j'ai fait 45 de dégâts en deux balles. C'est vraiment une arme quasi parfaite. Je pense que cette série va se faire en un seul épisode. C'est très bien parti, du moins. On sait jamais, hein. Il peut y avoir des retournements de situation. Au pire, j'en filmerai une deuxième juste derrière. C'est un jeu fort sympathique. Que je me débrouille pas si mal. Oh, 83 en 4 coups. Fais chier, je me suis pris une balle de chaque sniper là. Hein, en fait non, c'est peut-être, on s'en sortira peut-être pas si bien que ça. On va dire que si j'avais été un peu meilleur sur mes deux affrontements, j'en serais sorti beaucoup mieux. Très mal, il ferait mieux de save encore une fois. On est 3 à égalité au même score et on a 2 joueurs merdiques en fait. Je n'avais pas réalisé ce petit, tout petit détail, c'est qu'on a 2 joueurs plutôt mauvais, que ce soit Dace ou Alpino. Alors je dis plutôt mauvais, je suis un peu méchant parce que des fois on fait des très mauvais départs de partie pour finir en apothéose.
Ça m'arrive rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Et là, il fait n'importe quoi parce que. Alors, moi, je peux pas contrôler la caméra. Voilà, bah, il est mort en plus. Il s'est, à mon avis, très mal planqué. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Donc, encore un écho. Donc, moi, je fais des échos à 1500. C'est loin d'être un pur écho, mais c'est quand j'ai encore pas mal d'argent en stock. On peut voir que Dace fait exactement le même écho d'ailleurs. Un 5-7 et un Kevlar. On avait exactement le même argent au début. Peut-être qu'il a pas acheté de Kevlar. Ça, je peux pas voir. Mais le 5-7. C'est sûr, une autre excellente arme pour faire un écho, c'est le P250, car c'est une arme qui coûte seulement 300$, ce qui est très très bien, et que là, ils font chier parce qu'ils sont en train de... Ma défense, moi, c'est vraiment cet axe-là, c'est vraiment là où je suis bon pour défendre dans cette map, mais apparemment c'est pas en B, et avec un 5-7, je peux pas faire des miracles à l'appart. Donc ce que je vais faire, parce que je sens que ça va venir middle finalement. Donc il y en a un qui défend appart, moi je vais descendre middle. Absolument pas qu'il fuit. Là j'ai fait n'importe quoi là. Je sais pas s'il est passé ou pas. Oh. Je peux remercier le mur. Qui est banane. Là on va jouer au temps parce que si les hétéros, pardon, ne plantent pas la bombe, on gagne autant, et le mec qui a survécu dans l'équipe d'en face ne gagne aucun dollar. Donc j'ai plutôt bien joué cette manche, avec beaucoup de chance encore une fois, parce que la WAP m'a touché. Donc la WAP c'est un coup, un décès, mais il m'a touché à travers le mur, ce qui m'a permis de le tuer. Et c'était très risqué parce que ce qu'il aurait dû faire au lieu de m'attendre avec son AWAP en bas de l'escalier, c'était de m'attendre avec un flingue, et là il m'aurait eu à mon avis assez facilement. Voilà pourquoi j'utilise jamais le deuxième. J'en ai eu deux, mais... Alors le truc, putain, mais ils sont mauvais. Là, finalement, il n'y aura peut-être pas de victoire ici, parce que si on est à 5-3, c'est très très mauvais. Ok, il fait quoi? Ah ouais, pas faux. Alors là, je sais pas s'il va je pense qu'il va tirer dans le mur. Ah non, d'accord. Jamais fait de stratégie comme ça, de cachette derrière un mur. Oh, tout ce spray. Moi je dis rien parce que à cette distance, au M4, je spray énormément aussi. Hein. Donc le spray, pour ceux qui savent, c'est quand vous full auto quoi. Oh! On a fait à nous deux toute la team. Ah, du coup, il passe devant moi au classement. Largement, il a des très bonnes stats par rapport à moi. Donc je suis plutôt fier de moi parce que voilà, comme je disais, la WAP c'est pas du tout une arme que j'utilise. Et pour une AWAP, enfin un AWAP que j'ai eu gratuitement, je m'en suis très très bien sorti. J'ai failli en tuer un troisième d'ailleurs si j'avais pas eu ce... Ah, bombe! Je crois qu'il l'a récupéré là. Donc, comme je disais, si j'avais pas eu ce double zoom, je m'en serais fait un troisième, je pense. Ça, c'était gratuit.
Oh! Bien joué! Très bien joué là. Alors je sais pas vraiment quel est cet endroit, c'est un... J'allais dire cover the bomb, mais voilà. Oui, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, l'arme qu'il a utilisée pour me faire le headshot. C'est très bien joué parce que c'est... Quoique, enfin je dis très bien joué, pas vraiment, parce que c'est l'arme en fait terroriste, donc le Galil, qui a la meilleure précision pour la première balle. J'ai vu des gens qui faisaient donc des vidéos de démonstration des précisions des armes. Et donc le Galil est l'arme qui a la meilleure précision. La première balle que vous tirez avec le Galil, c'est extrêmement précis. Et du coup, j'avais moins de 90 de vie, ça fait 90 de dégâts en pleine tête, voilà. Mais il l'a fait de manière vachement rapide, donc bien joué. Peut-être qu'il a eu de la chance, peut-être qu'il a géré. Là, je vais pas les middle, parce que je sens qu'ils ont des armes, et donc, du coup, l'affrontement au middle est plus garanti. Avant, il était garanti parce que je t'ai... Waouh, bien joué. Pas le temps de réagir. Avant, il était garanti parce que je savais qu'ils étaient au pistolet ou à des armes pas extrêmement... Pas très puissante, résultat. Enfin, j'ai déjà été gravement avantagé par rapport à eux. Alpino qui est très très mauvais. C'est moi ce mec qui est en train de s'envoler? C'est très bizarre le mouvement de caméra qu'il est en train de faire. Alors la baïonnette, je sais pas combien ça vaut. Faut savoir que les couteaux valent, voilà, les skins de couteaux valent 70 € au minimum, à 350 je crois le plus cher. Donc lui c'est un monsieur qui a soit de l'argent, soit beaucoup de chance, ou des amis qui ont de l'argent. Est-ce qu'il s'apparente à de la chance? Parce que il a vraiment des armes pas gratuites. Et ce mec Sawa est en train d'enchaîner les headshots. Ne l'insulte pas de tricheur, car il m'arrive aussi parfois d'enchaîner des headshots plutôt douteux, sans tricher bien entendu. J'espère que l'enregistrement par contre se déroule à merveille, car c'est la première fois que j'enregistre du CSGO en direct. Se concentrer les bruits de pas, très important. Ok. C'est en B. Ah, il fait le taf avec son scout, hein. Donc c'est 2 balles hein, pour tuer avec un scout, au moins. Au moins 2 balles, si. Putain, j'ai fait mon aveugle là. Je l'ai pas vu alors qu'il était juste devant moi. Et on peut en diffuse. Ah, je l'avais bien blessé, je sais pas à quel stage je l'avais blessé, mais. Damage given. Ah, attends. Moins 75, j'avais fait. Alors, ça, je sais pas si la console apparaît quand sur la vidéo. Donc, voilà, c'est je regarde dans la console les dégâts que j'ai pris et les dégâts que j'ai fait en fait. Ah, je suis repassé le premier. Donc là, ils se moquent pour deux raisons. Soit ils veulent faire un assaut, soit ils veulent empêcher un sniper de voir la banane. L'arrivée à la banane. Ok, c'est banane. Oh putain. Oh, cette smoke.
Ah, il m'est arrivé mon plus gros défaut à l'instant. Pourquoi je dis que c'est mon plus gros défaut? Je vais pas bouger la caméra, mais en gros, dans ma façon de jouer, j'ai ma souris qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop proche de mon clavier en fait. Je joue avec les mains plutôt serrées et résultat, des fois quand je vais aller à gauche, et ben mon clavier me gêne en fait. Il gêne plutôt ma main plutôt que la souris et du coup je peux plus bouger. Et là ça m'est arrivé, c'est plutôt chiant et donc c'est ce qui m'arrive régulièrement souvent et relativement souvent plutôt. Et du coup j'arrive pas à parer à ce problème. Et en fait, je suis en train de me dire qu'on n'aura peut-être pas la victoire ici. Car même si on fait, dans le meilleur des cas, un 11-4 en CT, ce qui est très bien, avec les deux boulets qu'on se traîne, Alpino et Dace, je suis persuadé qu'on n'arrivera pas à bien gérer le terreau. Bon, ça fera une longue vidéo, du coup. Là par contre c'est moi qui ai mal réagi. Ah, on est mal là. On va dire que j'ai pas... Voilà, là par exemple on voit qu'on est deux plutôt bons. Pour But Good, mais avant il s'appelait Marc et moi-même. Le troisième est plutôt moyen. Et les deux derniers sont plutôt pas terribles. Alors que l'équipe d'en face, c'est une équipe qui est quand même beaucoup plus régulière que nous. Enfin, je veux dire, avoir des bons joueurs, ça fait pas tout. Il faut plutôt avoir une équipe qui est au même niveau, comme eux, hein, qui oscille entre 28 et 16, plutôt qu'une équipe comme nous, où il y a du bon et du mauvais. Parce que moi, par exemple, là où je suis plutôt bon, c'est tout ce qui est skill pur en fait, donc viser, etc. Et où je suis très mauvais, c'est tout ce qui est stratégie d'équipe. En tant que stratégie en solo, donc savoir comment se déplacer, tout ça, là il n'y a pas de souci, hein. C'est des trucs que j'ai développé depuis Counter, depuis Call of, et c'est des trucs qui marchent très bien sur Counter, de contourner, etc., etc. Par contre, tout ce qui est stratégie d'équipe, voilà quoi. Moi j'ai mon chemin pour chaque map, j'essaye de m'adapter à mes coéquipiers, mais c'est pas tout le temps ce qui paye le mieux. Du coup là j'espère qu'ils vont rusher ici, que je puisse prendre l'avantage. Normalement 10-5 c'est vraiment pas terrible déjà, donc ouais, voilà, c'était obligé. Sérieux. Oh putain! Ce mec, soit il triche, soit il a beaucoup de chance. Je veux dire que c'était A, mais pas sûr. Il y en a un qui doit faire une. Je crois avoir vu la bombe tomber. Voilà. Bah alors là, la victoire, je l'ai pas vu venir. Je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi on a gagné cette manche, mais on l'a gagné. Peut-être que Dice est en train de se réveiller. Dice est en train de se réveiller. Alors moi par contre... Ah bah ils ont kické un de leurs joueurs, donc maintenant ils ont un bot. Ce qui leur donne le droit d'abandonner. Et j'ai... Non, je crois que si tu kicks... Non, si tu kicks, tu peux pas abandonner. C'est si le mec quitte la partie que tu peux abandonner. Ce qui est plutôt cool. Parce que du coup, il y en a qui... Sinon, les abus seraient trop présents. Ok, c'est pas de la WAP. Ouais, 98. Oh, cette chance. Le mec a l'air vachement content d'avoir fait 3 kills.
Ouais, s'il fait 4 kills. Waouh. C'est dommage de perdre. Parce que 9-6 en terreau, je pense qu'on n'y arrivera pas. Quoique maintenant ils ont un bot, et avoir un bot en CT, c'est pas bon du tout. Autant avoir un bot en terreau, ça peut être pratique parce que le bot. Bon, ils sont bons, 10-5. On devrait gagner. Parce qu'il faut savoir que le bot, vous pouvez lui dire de rester à un endroit. Et il va rester. Et quand. Et quand. Comment. Et quand vous mourrez, le premier qui meurt, enfin n'importe lequel qui meurt, à partir du moment où vous êtes mort, vous pouvez prendre contrôle du bot. Et du coup, en terroriste, une fois, on était 3 contre 5, on avait 2 bots, et on les a explosés. Parce qu'on était tous les 3 des bons joueurs, et on réapparaissait dans les bots. Et donc, du coup, bah, on les a dominés de cette manière-là, c'est très moche. Mais voilà. Par contre, dès qu'on était en CT, ça a été beaucoup plus pénible. Parce que, bah, justement, en CT, important, c'est pas d'avoir des respawns, c'est d'être bien placé. Oh bah bien sûr. Alors là, vous avez eu le parfait exemple. Alors je sais pas du tout ce qu'ils ont fait. Parce qu'il y en a qui sont allés B par A et d'autres qui sont allés. Bon, bref, on a bien gagné. Moi, je suis en train de chuter tout doucement dans le classement, je pense. Ah non, j'ai quand même pas mal d'avance sur les autres joueurs. Du coup, on a gagné, donc je vais pouvoir avoir mon AK. Je sais plus ce que je disais. Ouais, le bot en CT, ça sert à rien parce que c'est pas le nombre en fait. Enfin, si c'est le nombre qui est important justement en CT, c'est pas forcément le respawn. C'est que vous savez tous bien placer où il faut. Et si t'as que 3 joueurs qui peuvent se placer. Bah, c'est hyper dur quoi avec 2 bots. Alors que en terreau, bah, on s'en fout, on peut réapparaître et l'important c'est de jouer les kills. Donc si vous avez du skill, ça le fait. Par contre, si vous n'avez pas de skill, bon, les bots, c'est pas terrible. Et du coup, je sais pas du tout ce que font le violet et l'autre. Oh! J'ai tout tiré à côté! J'ai très mal joué. J'ai très très mal joué. Les magnifiques remontées d'Alpino et d'Ace qui sont plus si loin que moi en fait en termes de stats. Déjà, quand on regarde d'Ace en termes de. Non, pas d'Ace. Ah, sinon, je. Pour Bad Good est vraiment bon par contre. Hein. Là, j'ai fait n'importe quoi là. Là, j'ai été dans mon. Justement, des fois, j'ai des pulsions Call of Duty N qui me disent tire, tire, tire. Et non, il faut d'un coup cesser de tirer, récupérer le contrôle de son arme. Alors, la grenade dans les pattes, ça fait mal. Donc, oui, récupérer le contrôle de son arme, viser. Et. Toucher. On se fait défoncer là. Enfin, on se fait défoncer. On a perdu qu'un mec, mais on est tous très low. Et du coup, c'est super facile pour eux. Voilà, comme je suis en train de dire. Voilà, bon, j'ai rien fait. Normalement, Burst Nest devrait plus trop tarder à me. Bon, après, faut voir. Ça, c'est un de mes défauts aussi. Non. Dans Counter, c'est que comme je meurs souvent et que je suis entre guillemets plutôt bon pour viter, je blesse souvent les gens, meurs et d'autres joueurs les tuent. Ce qui fait que là, j'ai 9 assistances. C'est à moi tout seul, j'ai autant d'assistances que toute l'équipe entière cumulée. C'est pour vous dire. Et c'est un de mes défauts parce que ça rentre pas dans le nombre de kills en fait, hein, les assistants, ça vous rapporte des points par contre. Mais c'est pas dans le nombre de kills. Je crois qu'ils sont calmés là sur ils arrêtent de nous rusher en banane. C'est plutôt flippant.
Même pas. Waouh. Ok, j'ai eu un bot. Voilà, c'est de ça dont je parle. Faut faire gaffe parce qu'il y en a un qui est au Desert Eagle qui est très bon. Et là, il peut moins de shotter hein, avec ma vie actuelle. Voilà. Il a pas bougé le mec hein. Donc ça c'est un bon CT. Il a pas bougé, il a réussi à tenir le fait de pas aller en B et il a bien fait parce que du coup on n'y est pas allé. Grosse perte de monnaie. Bon, moi je suis riche. Lui, bah, il faut pas qu'il meure à la fin du timer. S'il meurt à la fin du timer comme il va gagner là, il va gagner 0$. Voilà. Il est resté à 250. Et s'il meurt, il va se retrouver à 250 au prochain truc, ce qui est horrible. Mais là, il est pas mort, du coup, c'est bien. Et moi, je peux acheter. Moi, ce que je fais tout le temps quand je vais à part, c'est attaquer le balcon. Bah là, j'ai raté le saut. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas raté le saut. Que j'avais raté le saut plutôt. Ah, je sais plus. Oh, magnifique grenade dans les pieds. Ouh! J'ai plutôt bien joué là. Non, je passe pas le mur. Très bien joué parce que avec la grenade dans les pieds, j'aurais pu subir beaucoup plus de. Enfin, j'aurais pu y laisser la vie, quoi. Il est où? Il est là. Donc le M4 à 1. Qui est mon arme favorite. Au début j'avais un doute là-dessus. Et à un moment, j'ai reçu il y a un mois et demi le succès qui faisait le succès des 1000 kills au M4. Et j'ai reçu il y a une semaine ou avant-hier, je sais plus parce que j'ai pas joué en fait entre temps. Donc c'est soit il y a une semaine, soit avant-hier. Parce que bon, voilà, j'ai pas joué entre ces deux dates. Celui des 1000 kills à la K47. Donc ce qui prouve que. Je suis bien meilleur avec cette arme. En fait, on est en train de les massacrer parce que nos deux potes se sont réveillés. Bon, là en même temps, ils sont en écho. Hein. Et voilà, 4 kills. Attends. Je vais juste voir. J'avais fait moins 96 au bot, en fait, qui m'a volé. J'ai un peu les boules. J'ai failli faire un ace et à cause de ce moins 87, j'ai mis une tête. Oups.
Ah, ils ont fait un team kill aussi. Donc dans la dernière manche, on fait un team kill et ils font un team kill. Sympa. Je crois qu'il est malin. Je veux pas dire. Ah, le couteau. Oh, une case hivernale. Donc on va open une case. C'était ma 100e victoire. Bip bip. Et je termine premier sur ma 100e victoire grâce à un frôlage de Ace. Oh, beaucoup de Nova en face, dites donc. Surprenant, surprenant. Bon, on va open cette caisse et je vais enregistrer tout de suite derrière une deuxième partie. Donc c'est un jeu dont les parties durent quand même bien 40 petites minutes. Et il faudrait que je regarde à quelle heure je travaille aussi ce soir. Ça pourrait être une bonne idée. Voilà, open de caisse. Donc ça coûte 2 euros. Hein. Donc là, je vais peut-être faire un montage pour... Je crois que non, il y a moyen qu'on... Voilà, bah c'est parfait, j'avais... Ah, c'est parti, ouvrons cette caisse. Je n'ai jamais ouvert une caisse de ce type-là. Et ça sent la merde. Oh, je m'en fous du P250. Quelle qualité. Testé sur le terrain. Du coup, c'est une arme... Ah, c'est quand même... une arme bleue, donc c'est le minimum qu'on peut avoir dans une caisse. Combien ça se vaut? Parce que alors, je crois que mon autre P250 vaut que dalle. Ouah, ça vaut que dalle, 18 centimes, donc je vais le garder parce que c'est plus beau que celui que j'ai déjà. Je peux mettre en place pour les deux équipes, bon, c'est pas grave. Ah, j'arrive pas à cliquer. Non, désolé, je ne jouerai pas avec toi, je vais faire une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. En espérant que dans l'autre vidéo, je drop quelque chose à la fin. C'était ma 100e victoire. Je pensais pas l'obtenir du premier coup. Je suis toujours Novador et j'étais premier, donc voilà. C'était plutôt cool. Et honnêtement, c'est vraiment ma première partie que je tourne. Hein. De toute façon, je voulais quand même en tourner au moins deux en pensant que j'allais perdre la première manche, la première partie et réussir la deuxième. Et ben, du coup, même pas. Voilà. Je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Salut à tous!